Mse Emmanuel Fritz Parrot, e mwen son businessman Haiti, mwen son investisseur Haiti, mwen gen plizyeur kompani Haiti, mwen gen plizyeur investisseman, mwen fè an hotel ki rele Calico Beach, mwen gen an kompani minye kote mwen fè gravel, kote mwen fè sab moulin, e nan menm tan, et moi j'ai une compagnie qui fouillé pour Glor Haïti. Nous t'ai fait research, nous t'ai fouillé pour pétrole Haïti tout dans plateau central. Et kounya nous gagne une raffinerie de pétrole et n'a construit dans nord-est là. Dans même temps moi dans business pétrole longtemps même aux États-Unis. Et moi j'ai un business pétrole côté me fouiller pétrole et pomper pétrole avec vendre pétrole brut avec toute raffinerie qui gagne aux États-Unis et ça c'est la vie c'est la vie mais bon dieu Emmanuel ou faites en Haïti ou vous faites États-Unis on fait États-Unis OK fait États-Unis mais parents tu fais en Haïti etc. Oui maman papa grand-papa toute famille moi net et famille moi saute et au cap c'est là nous sorti même au cap avec Port Liberté. Kounya ben mando Emmanuel, l'idée pour être capable mettre raffinerie pétrole là cap haïtien. Parlez-nous de projet ça. Pour qui ça c'est cap haïtien côté visé le et projet mettre raffinerie hein, et venir sous table là. Pour qui ça c'est cap haïtien côté choisi. Bon, Mabdou explique ba yo très bien. Nous avons fait raffinerie à Gonaïve avant en 2019 avec le président Jovenel Moïse. Après l'assassinat du président et insécurité à nos zones ça, n'est pas bon pour nous-mêmes. C'est là ça nous décider pour aller non non. Nous et cap haïtien intégré en pile sécurité, gain route, mon a monté descendre. Nous trouvons que ça sont une bonne zone pour nous investir comme nous. Après ça, tu as eu le sénateur Moïse Jean-Charles qui t'a aidé nous en pile. Il était bien réservé à nous. Il était convaincu que nous, c'est là pour faire la raffinerie de pétrole. Bon, depuis qu'il y a un monde qui, en disant bois politique, qui a campé derrière, un projet, un politicien tant que Moïse Jean-Charles, ça sent l'autre, et confortable, ou sentir confortable pour faire investissement. Et finalement, c'est là que nous avons commencé à faire raffinerie. Tu as une perception, tu as dit, parce que tu as une politique qui agit en pile, il y a un monde qui a dit raffinerie, ça c'est pour Jean-Charles Moïse, moi je dis non. Pour raffinerie pas pour Jean-Charles Moïse et c'est une compagnie qui a fait parce que précision ça était important pour me déposer parce que en pile monde dit raffinerie c'est pour Jean-Charles Moïse il pas pour Jean-Charles Moïse est-ce non, que non, non, mais tant et raffinerie ça côté li fait là li pas d'ab jamais fait si Moïse pas aider nous parce que nous t'es en côté nous pas de côté pour mettre raffinerie ça. Parce que il était vraiment difficile. OK, mais comme Moïse c'est un politicien, on connaît Moïse pas qu'à directement qui intérêt dans business comme ça, mais mon cadeau et si Moïse pas aider nous, raffinerie ça pas d'jamais fait dans notre cela. OK. Et on pas connaît jusqu'à présent peut-être raffinerie pas même qu'à commencer construire. Très bien. So, on dit le quoi ça? On bal crédit. Oui, pour ça faire. Avec nous. Oui. Li camper avec nous sans demander un dollar, sans demander qui intérêt li gen pour lui, li te wè paye ya avant. Ça me ka di 100%. Très bien. Okay? Mais gen des moun k'ap plein là qui dit que zone polette là et pa gen lanmè. Mais vous avez expliqué que l'homme est à tout près ou même. L'homme est à quelques mètres de haut. L'homme est à pas trop loin. L'homme est tout près nous. Et les raffineries pour inaugurer. Tout le monde a pour tout bagaille. Tout le monde a pour tout bagaille. Yeah. On investit maintenant qu'on raffinerie. Combien comme ça a coûté? Ça a coûté
projet raffinerie environ combien comme ça koto et bonjour oui raffinerie ça on dit non ou ka dit ça son petit raffinerie OK on raffinerie 6000 barils par jour ça son petit raffinerie bon ou est Saint-Domingue on raffinerie qui fait 50000 barils par jour aux États-Unis qui ont raffinerie qui fait 1 million barils par jour so là où dit on raffinerie 6000 barils par jour ça son commencement et projet ça coûte 14 millions de dollars américains en tout et nous pas fini peut-être l'a coûté un petit cop en plus mais normalement normalement on raffinerie qui gros qui a coûté plusieurs centaines de millions de dollars. Très bien. Kounya, bon mando bagay. Est-ce que comme c'est raffiné, on gagne Kounya? Est-ce que vous pensez que c'est facile pour même ou acheter et en venant venir sous fonctionnement et raffinerie? Pour qui ça expliquer que raffinerie ça, c'est pas au cap haïtien que nous installer, nous oblige à installer juste dans nord-est, dans zone terrier rouge, dans localité Paulette. Qui ça explique ça? Bon. Là nous t'es venu en 2023. Nous t'as fait raffinerie dans zone qui est Chada 2, qui c'est dans ville au Cap la même. Chada 2 c'est côté magistrat écrasé là, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Nous citer magistrat plusieurs fois sur projet ça. Et vraiment c'était bonne idée parce que nous t'as fait deux bagages. Nous t'as dédommagé moun dans zone là, hein? Nous t'a bâti on l'autre commissariat à la police que nous t'a payé un pile monde job dans zone là ensemble les bagages là t'a fait ensemble t'a fait oui parce que contrat t'es qui t'a fait pour faire projet ça mais malheureusement magistrat pas de jamais signé un contrat on connaît le va investir dans un business ou pas gagner temps pour perdre. Chaque jour, c'est quoi pour dépenser? T'es arrivé en l'homme qui est en ouais, les papes signent un contrat, c'est un mapédi. C'est le sam t'es allé joindre sénateur Moïse Jean-Charles. Et Moïse dit, il y a un autre côté pour nous mettre raffinerie. Il dit la banoute, il dit lui même capoté, investisseur pour investir avec nous. Et vraiment, il fait tout bagarre. Il bat nos terres, il porte investisseurs pour investir avec nous. Et voilà. Et c'est raison ça, n'a bâti raffinerie dans nos desconnières, dans notre liberté. Pour qui ça, nous avons besoin de faire raffinerie à Haïti? C'est parce que le gaz est trop cher. Premier bagage, le gaz est trop cher. Deuxième bagage, bon, moi j'ai un hôtel à Haïti, hôtel moi, marché à gaz pour. Tel que yo, mais gen l'autre business. Chaque fois nous besoin acheter gaz, on tête chargé. Un jour nous ka acheter gaz pour 100 dollars par gallon. Gen un jour nous acheter gaz pour 200 dollars par gallon. Moi n'est pas possible. On raffinerie de pétrole, li ba un pays deux bagailles. Premier bagaille, li ba ou sécurité énergie. Deuxième bagaille, li fait payer semble un pays sérieux parce que on produit propre gaz pour là où gen raffinerie de pétrole ou ka vend gaz à meilleur prix pour qui ça là où importer pétrole en brut kounye ou raffinel pour vendre gasoline diesel avec gaz avion gen pile marge de profit là-dedans ou pas obligé vendre gaz là haut. Quoi pour les raffineries ça démarrer? C'est nous-mêmes qui avons plus bon prix dans le pays parce que nous pas gain pour dépenser pour et importer produits finis dans bateau. Nous pas gain pour dépenser pour vraiment et traiter gaz là parce que c'est sa raffinerie a fait même il fait un gaz qui pas mélangé il fait un gaz qui normal pour pays là et il fait que ou ka produit gaz
Depuis l'État dit, bon, nous besoin tel gallon chaque mois. Parce qu'on a une raffinerie, ou qu'on produit gaz ça pour l'État. Très bien. Mais il y a des gens dans Nord-Est qui disent, est-ce que vous prenez contact avec la Chambre de commerce Nord-Est là? Est-ce qu'on parle avec des autorités qui sont dans la Chambre de commerce pour projet ça? Ou bien c'est seulement Jean-Charles Moïse qu'on connaît, qui était au foot, etc. Est-ce qu'il y a l'autre monde ou contacté dans le département Nord-Est, dans la Chambre de commerce? Bon, il y a plusieurs monde et d'abdil avec là, mais moi, c'est un businessman qui a un business dans le pays. Je ne suis pas à tous les côtés en même temps. Ok, so moi, parfois, j'ai un associé qui a une responsabilité pour gérer les bagages. Si vous ne pouvez pas faire ça, comment vous pouvez entrer dans le pays et m'a fait et m'a gardé sur ça. Mais m'a pas répondre nous 100% pour dire oui ou non. OK, faut que m'ta parler avec associé d'abord. Merci. OK. Merci en pile. Moi content parler à vous Fritz, à bientôt. OK, merci en pile. D'accord. Bye. OK, c'est Emmanuel Fritz paraît avec l'Indap Fonti causer sous question raffinerie ça.